Encore une autre fois, mesdames et messieurs, Foucault, amis information, entre la caillou pour porter une autre bonne nouvelle pour vous, parce que où qu'on est nous-mêmes, pas Borisite, nous toujours porter bonne nouvelle pour vous. Direction immigration ak émigration prend une nouvelle décision qu'après lever scamp figi pays d'Haïti. Nous connaissons que nous te gagnons premier passeport. Passeport ça, c'était un passeport mécanique qui pas pral valide encore. Nous connaissons pour 10 ans de fait. Eh bien, on pral changer système, non? Yon vini avec yon nouveau méthode qui c'est passeport électronique ou bien j'en nous te capable relé le passeport biométrique. Ça pral fait ou pas capable relé encore pour moun fait passeport pour ou. C'est ou même kap déplacer vin fait passeport parce que c'est avec un point yon pral fait. Est-ce que yon moun gen même un point avant? Non. Même si ou te mara ça, nous chaque gen propre en point pas nous. Eh bien, c'est comme ça, passeport ça yon pral fait. C'est un passeport électronique ou bien biométrique, nous pral gagner. Nan nouveau passeport ça, fom di nou, ap gen yon SIM. SIM ça li même, li pap gen rien en dedans. C'est comme ça, aviation internationale mandé pour tout passeport fait. Et m'ap rappelé nous connaît que, ak passeport haïtien, c'est seulement nan 53 pays nous capable aller avec, tandis que l'ONU lui-même li reconnaît gen 194 pays qui indépendant. Donc c'est seulement dans 53 que haïtien yo même yo capable aller avec passeport. Eh bien fòm di nou nan tout Caraïbe là avec Amérique latine nan, donc Haïti lui-même li jis nan kea li jis dernier avec passeport ça li gen, et c'est seulement dans 17 pays ou capable voyager avec passeport ça sans visa. Mais tout l'autre côté yo faut ou gen visa, et c'est seulement dans 53 pays ou capable aller avec passeport haïtien. Tendez bien, ou ka aller dans 53 pays avec passeport haïtien mette avec visa, mais sans visa seulement dans 17 pays ou capable aller avec passeport sans visa, mesdames et messieurs. Eh bien, fòm di nou, yon vini avec nouveau méthode ça pour yon capable faciliter tâche là. Yon façon les que arrivé et aéroport. Donc, ou pas besoin passer tout temps à checker, mais ça debout juste passer. Ou mettez petite droite là, prip et puis li passer. Ça yon nouveau méthode qui vini. Kon sa n'a perdu moins temps et travail yo ap fait pi vite ou ap vin plus en sécurité, parce que en point ou yon lot moun pa ka pran, mais passeport li facile ka trouke. Mais avec un nouveau passeport ça nou pral gagnen bagay yo pral fait pi bien et yo pral fait pi vite tout. Mais mesdames et messieurs, moins éviter autant de yon responsable nan koze immigration ak émigration. Gabagdo à l'aéroport international déjà depuis hier soir et jusqu'à ce matin. Nous installons un nouveau système border control. Jeudi à même, 27 octobre, ça, immigration va passer dans l'autre stade. Ça veut dire que ça, tout le monde qui comprend que ni le monde a fait une nouvelle demande de passeport, ni le monde a fait un renouvellement, ou bien pour devoir vous présenter à l'immigration. Tout le côté que l'immigration étend à travers le pays. Parce que le Mba est sorti l'autre bord de l'Ulvina, il y a ça, un crime transnational. Plusieurs pays dans le monde utilisent ce système. Le moment est donc venu pour Haïti de faire de même afin d'être à jour en matière de nouvelles technologies. En ce sens, les mises en place sont en train d'être effectuées, explique le responsable de la direction de l'immigration et de l'émigration, Joseph Sianchouli. Nous arrivons aujourd'hui à côté de l'installation d'équipement pour passeport ça. Ici, dans le bureau ici, là, il est paru. Washington, que nous avons l'autre unité de production, Paris. Dans le mois qui vient la semaine prochaine, nous avons installé l'équipement Saint-Domingue. Nous avons un poste frontalier Malpass qui est déjà installé avec l'équipement Sayo, qui fonctionnel depuis 8 à 9. Aéroport Cap-Haïtien déjà installé, fonctionnel avec l'équipement Sayo. Poste principal, immigration. En clair, le service est déjà en mode numérique, si l'on en croit le directeur technologique de l'immigration. Les opérations vont débuter pour que le pays dispose de passeports électroniques à l'aide de données biométriques. L'important, c'est d'authentifier ce document de voyage,
persiste et signe l'ingénieur Jean-Ocelyn Lambert. Passeport électronique, là, c'est qui s'allie. Son passeport qui semble avec passeport, il y a un livret, mais qui a une puce là-dedans. Puce électronique, là, c'est comme si on sim, mais le PPT et le PIFIN, qui ont dans le livret, qui permettent que l'arrivée dans quel que soit pays sous la terre, ou à passer passeport, la passer. Il y a non seulement sac dans page, jour, mais il y a sac dans plus là à l'aide d'une machine et d'un lecteur. Il y a un passeport, s'il le pour vous, il faut que vous soyez capable de lire l'empreinte là, non seulement qui dans plus là, et il faut que vous soyez capable de comparer là au même qui devant. Si que vous n'avez pas matché à l'autre, ça veut dire que ce n'est pas mon ouïe. Dans la langue blanche, il y aurait son imposteur. Souvent exposés ou sont criminels. D'où la nécessité de combattre cette forme d'insécurité dans le pays, un point sur lequel insistent beaucoup les autorités de l'immigration. Notons que les passeports ordinaires restent valides jusqu'à leur date d'expiration, mais que lors de leur renouvellement, ces documents de voyage deviendront électroniques, selon les responsables. De l'autre côté encore, immigration et immigration a capable de produire 7000 passeports par jour dans le nouveau système qui va le mettre en place là. Et déjà, toute décision est en prend pour ne pas gagner retard et pour ne pas gagner gratement. Il y en a plus gros problème d'immigration, il y a 111 000 passeports en retard. En moins de 4 mois, nous avons retiré autant ça que nous avons et immigration vient à jour. Deuxième problème que nous avons, immigration a été tout le temps nos problèmes de rupture de stock dans les vrais passeports. Aujourd'hui, encore, nous avons dit, ça a fait encore. Nous avons un passeport pour nous bail, pour nous faire passeport sans aucun problème. L'autre bagaille que nous avons dit, non, que le président, c'était accès à tout le monde dans le pays pour les cafés passeport. C'est pour ça que CRLDIO, que le président personnellement inauguré, et Jodhia, il a fonctionné pour faire passeport presque tout le côté dans le pays. Encore, capacité de production de passeport, non. Et comme tu dit dernièrement, M. Lambert, s'il m'a trompé, c'est à peu près de entre 6 et 7 000 par jour que nous gagnons comme production de passeport. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est toute bonne nouvelle ça que nous t'apporter pour nous connaît Chanel ça. C'est toujours bon information que nous porter pour nouvelle qui fait que content, nouvelle qui pas stressé et nous toujours choix pour nous porter bon bagaille pour. Ou même qui fait tomber sous Chanel ça, pas hésiter, abonner sous pour qu'on fait ça et dégager au pressé faire ça. Yon façon depuis nous poster yon bonne nouvelle pour capable joindre pour YouTube kabon ti notification par là pour venir informer bon information bagay ki pa kase kèw bagay ki pa fè kèw rete nan yon moment mais yon bagay ka bon espoir pour vivre toujours. Bonjour, bonsoir tout moun, fou ko zanmi information ka bon rendez-vous pour yon autre vidéo. Bye bye.